Depuis plusieurs années maintenant, l'API de la Vallée de l'Orne, dont le siège social se situe à Amnéville, entretient des rapports privilégiés avec le club de tennis de table de Mézières-lès-Metz. En effet, un partenariat entre les deux structures permet aux personnes porteuses de handicap de pratiquer cette discipline au sein du club mézierois. Très sensible à l'inclusion de ses membres au sein de structures extérieures, l'APIVO a dernièrement développé davantage cette collaboration grâce à l'application de plusieurs partenaires qui permet à l'IME de Pierrevillers d'accueillir des sportifs dans son gymnase. Et c'est dans ce gymnase que s'est déroulée mardi 7 février l'officialisation de cette initiative, en présence notamment de Madame Martine Sasse-Barandeau, députée suppléante de Moselle, de Monsieur Julien Freiburger, maire de Mézières-lès-Metz, de Monsieur Éric Fenler, directeur de l'IME de Pierrevillers, et de Monsieur Jean-Claude Jacobi, président de l'APIVO. Un partenariat qui a été engagé en 2015 avec le club de tennis de table de Mézières-lès-Metz, donc qui est dans un premier temps, dans une première étape, est venu chez nous ici dans notre salle de sport pour partager la discipline du tennis de table avec des personnes en situation de handicap mental. Ce partenariat s'est développé même au-delà du sport, puisque l'éducatrice qui nous accompagnait à l'époque dans cette démarche m'a accompagné à plusieurs reprises dans le milieu scolaire ordinaire pour aller présenter, et notamment à Amnéville, dans le cadre de la semaine du handicap, pour aller expliquer aux élèves de l'école primaire et aux jeunes élèves du collège ce qu'était le handicap, comment accueillir une personne handicapée dans notre société ordinaire. Tout est parti de là, le partenariat s'est développé et l'année dernière, à l'occasion de la visite dans cette salle de sport de la ministre des Sports, cette ministre nous a proposé justement de développer le partenariat avec une ouverture vers l'extérieur en nous accordant une promesse de subvention pour nous équiper en table et en équipement sportif d'entraînement, pour que ce soit le gymnase de l'IME qui accueille des personnes des communes voisines pour partager cette discipline avec des personnes handicapées. Aujourd'hui, donc, nous avons inauguré ce partenariat qui a pu se réaliser grâce au financement de mécènes, notamment par le biais du comité olympique dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Le département de la Moselle est un partenaire économique qui a aidé au financement de cette opération. Parmi les membres du club mézierois, auxquels sont affiliés les sportifs de l'IME, plusieurs évoluent au plus haut niveau en e-sport, et c'est avec plaisir et fierté qu'ils ont fait montre de leur talent pour clore cette inauguration.